en compagnie de Xavier Thomas de Méholt, ici au Ventre d'Octobre. Alors Xavier, vous êtes entraîneur de chevaux de pur sang, évidemment, on s'en souvient de Chamalgan, il a gagné Groupe 1 il y a quelques semaines à peine, mais vous êtes également entraîneur depuis de quelques années d'anglo-arabe. Alors racontez-nous comment vous êtes venu aux anglo-arabes. Je connaissais pas les anglo-arabes et quand je suis arrivé dans le sud-ouest, j'ai vu que chaque fois que j'allais aux courses, il y avait une course d'anglo-arabe, donc j'ai décidé de m'intéresser à cette race. Et j'y ai très vite pris goût parce qu'ils sont très attachants et très faciles à entraîner. Donc au fur et à mesure, les résultats se sont enchaînés jusqu'à samedi où j'ai gagné les trois courses à Tarbes. Exactement, de nombreuses courses classiques déjà à votre actif et deux courses classiques samedi dernier à Tarbes. Un petit mot sur ces trois chevaux qui ont gagné? Le mâle est le frère de Oudaza de Bord, donc qui a un très bon pedigree et qui gagne facilement sa course. Et puis la pouliche qui gagne le Grand Prix des Pouliches, Flinguée, qui est aussi la sœur de tous les autres qu'il y a derrière. C'est le septième que j'entraîne dans la famille. Et le septième gagnant, elle les fait de mieux en mieux, donc c'est plaisant. Combien de chevaux vous avez actuellement d'anglo-arabe uniquement? D'anglo-arabe, j'en ai 6. Et depuis combien de temps, alors du coup, vous entraînez des anglo? Depuis 2003, donc ça fait 10 ans. Ok, très bien, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite.